Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie ce soir pour une nouvelle conférence. Et ce soir, nous sommes ravis d'accueillir Dorella. Bonsoir Dorella. Bonsoir Charlotte, bonsoir tout le monde et merci pour m'accueillir ce soir à nouveau pour discuter encore une fois des émotions, mais cette fois-ci une approche différente de la précédente. Oui. Donc on parle des émotions captives, oui, bloquées dans le corps. Tout à fait. Alors ce soir, en effet, nous allons parler d'émotions et de relations. Doit-on se libérer du passé pour vivre une relation épanouie? C'est le thème de ce soir. Peut-être que, justement, vous posez la question, comment on peut se libérer du passé pour avoir cette vie épanouie dès à présent, dès maintenant? Eh bien, peut-être que vous cherchez aussi le sens à votre vie, vous vous demandez d'où vous venez, vers où aller. Peut-être aussi vous sentez-vous victime du passé ou alors comme bloqué par ce passé et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avoir de relation épanouie à cause de ces blessures du passé. Eh bien, ce soir, Dorella nous en dit davantage justement sur comment libérer ce fardeau émotionnel du passé. Et puis aussi, eh bien, apprendre à communiquer avec notre subconscient, notamment avec une technique simple. Elle va nous en dire davantage ce soir lors de la conférence. Cette technique simple, vous allez pouvoir la reproduire chez vous et vous allez pouvoir utiliser cette technique, eh bien, justement, pour ressentir déjà dès à présent les bénéfices dans le corps immédiatement et puis aussi identifier les émotions avec précision et justement apaiser, guérir les expériences du passé, reprendre le pouvoir sur votre vie et aussi identifier les croyances qui pourraient justement vous bloquer par rapport à ces relations épanouies et les transformer. Quel beau programme ce soir que nous offre Dorella, qui est coach émotionnel et qui va nous partager ce soir justement ces clés, cet outil simple à mettre en place chez vous pour justement vous libérer du passé et vivre pleinement votre présent. Alors Dorella, si ça te va, je te laisse la parole pour en dire davantage sur toi et puis sur le sujet de ce soir. Merci beaucoup pour cette introduction. C'est vrai que les émotions, les relations, c'est quelque chose de très important pour moi. Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser et pour moi, c'était important de voir comment est-ce que je peux être épanouie dans le présent et est-ce qu'il y a un lien entre le présent et le passé? Du coup, il y a une première chose que je trouve très importante. Tout problème que nous, on a, il y a un lien énergétique, et on va parler plus de l'énergie tout à l'heure, il y a un lien énergétique avec des émotions. On va comprendre pourquoi c'est tellement important. D'un autre côté, toutes relations, elles sont interconnectées. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une chose qui est à part de tout le reste. Donc, il n'y a pas une partie qui est toute seule. Toute partie, elle est liée à plein d'autres choses. Et c'est pour ça, à partir de ça, que je me suis dit, bon, donc on sait qu'il y a ce côté énergétique, il y a toutes les émotions et il y a toutes les relations. Et j'ai regardé ma relation de couple, donc tu m'as dit aussi de me présenter, j'aime toujours partir dans le sujet et j'oublie de dire qui je suis. Donc quand je disais je suis Dorella Yepan, je suis coach émotionnel, je suis l'amie des émotions et je fais cette alchimie émotionnelle de tout ce qui nous entoure. Comment est-ce que je suis arrivée à faire cela? Ben, j'étais en train de voir mon mariage partir en vrille. Je pensais que je veux divorcer d'un mari qui est franchement magnifique. Mais pourtant, je n'étais plus heureuse dans mon mariage. J'ai découvert des techniques comme le EFT. Vous pouvez voir l'autre conférence sur l'Académie Nouvelle Vie. Ou cette technique qu'on va voir aujourd'hui. Et j'ai découvert comment émotion après émotion, ma relation de couple
a entièrement changé. Et c'est pas que la relation de couple, c'est la relation avec les enfants, les relations avec les autres personnes. Et après, comme je disais, tout est connecté, interconnecté. Il y a le côté de santé, l'argent, l'abondance et tout le reste. Et donc, je vois mon mariage qui, je pensais que ça ne va pas tenir. Et au bout de quelques semaines, je me regarde moi-même, je suis amoureuse de mon mari et lui, il est amoureux de moi. Donc, on repart à zéro, une nouvelle relation avec la même personne, mais cette fois-ci, libérée de ce fardeau du passé. Donc, je découvre tout ça et je me dis, bon, moi, je suis heureuse. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Ben, je peux offrir ces informations à d'autres personnes. Du coup, aujourd'hui, on va parler de ce lien entre le passé et le présent. Donc, est-ce qu'on doit se libérer du passé? Est-ce qu'il y a un passé duquel on peut se libérer? Et comment est-ce que ça va influencer notre relation? Soit de couple ou d'autres relations, parce que moi, je parlais aussi des relations avec mes enfants. Et on revient sur tout est interconnecté et tout est énergie. Donc, on a notre corps qui, en fait, c'est une communauté de cellules. Et si on grandit de plus en plus pour voir ce qui est à l'intérieur de ce corps, on trouve qu'il n'y a que de l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Le corps, il est énergie, les émotions sont de l'énergie et au final, on se pose cette question, donc les émotions sont de l'énergie, le corps, c'est énergie et comment est-ce que les émotions vont nous influencer? Moi, je proviens d'un pays où on était appris à ne pas montrer ses émotions. On ne pouvait pas pleurer. Parce qu'on est traité, t'es pas une fille pour pleurer. Même si t'étais une fille, on n'avait pas le droit de pleurer. On pouvait pas être heureux. Donc, il fallait pas montrer ses émotions. D'un côté, on les montre pas. D'un autre côté, on les connaît pas. Parce que comme on n'a pas grandi en écoutant les émotions, en essayant à comprendre ce qu'on ressent, ben, il y a plus rien. Il reste de la colère. Il reste de la tristesse. Et après, il n'y a plus rien parce qu'on ne les connaît pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous, on ressent des émotions, on ne les connaît pas. Du coup, on ne leur permet pas de traverser notre corps. Par exemple, si on a peur, cette peur va nous protéger. La peur, ce n'est pas une émotion négative en elle-même. Si on est sur un bâtiment, sur une grande hauteur, si on regarde en bas, si on n'a pas peur, on peut regarder trop et même tomber dans le vide. Ça, c'est très dangereux. Donc, cette peur va nous protéger pour ne pas nous faire mal. Du coup, c'est bien plus important d'écouter ces émotions. Et une fois qu'on les a écoutées, entendues, ben, elles peuvent traverser notre corps et elles vont être libérées. Le souci, c'est que toutes les émotions ne sont pas libérées ou une partie des émotions reste bloquée à l'intérieur du corps. Les émotions sont de l'énergie et notre corps, c'est de l'énergie. Donc, côté relation et émotion, dans chaque relation, il y a un échange émotionnel énergétique. Si nous, on ne sait pas comment gérer nos émotions, il y a des émotions qui restent bloquées dans le corps. Chaque émotion, elle a une composition chimique, elle a sa propre énergie et elle va rester à l'intérieur du corps. Et il y a une alchimie qui se produit et qui va changer l'énergie de notre corps. Et pour montrer ça, pour avoir un côté visuel, moi j'aime beaucoup visualiser les choses qui se passent dans le corps. J'ai pris un jour un verre d'eau et du coup comme le verre il était transparent, je me suis dit tiens, le corps il est comme l'eau dans le verre et les émotions sont comme des couleurs de peinture.
Et par exemple, si on commence à jouer avec les émotions dans notre corps, on peut prendre plusieurs couleurs de peinture, on les met dans l'eau et petit à petit, la couleur de l'eau change. Et ce n'est pas que la couleur, elle change, mais ça devient de plus en plus moche. Donc, plus on met de couleurs, plus le mélange, il n'est pas du tout agréable. Donc, c'est comme ça avec les émotions qui restent bloquées dans notre corps, à nous. Mais nous, on ne veut pas ça. Avec ces émotions qui restent bloquées à l'intérieur du corps, on se trouve face à face à des situations telles que moi, je veux une relation épanouie, mais j'arrive pas à l'avoir. Je la veux consciemment, je me dis je veux une relation épanouie, mais au niveau du subconscient, à cause de ces émotions qui sont bloquées dans le corps, qui ont changé la couleur de l'eau, l'énergie que nous on attire va être opposée à ce que nous on veut. Ça attire la frustration dans le couple, les problèmes de communication, les situations répétitives où on ne se sent pas du tout bien avec les autres. Soit il y a du rejet, soit il y a de la frustration, peut-être il y a de l'humiliation, ou même de l'impuissance, de l'abandon, de la trahison. Donc il y a tellement de choses qui peuvent se produire à cause de ces émotions qui sont bloquées dans le corps. J'aimerais savoir, pour ceux qui regardent en direct, comment est-ce que ça résonne pour eux, ces émotions qui sont bloquées dans le corps, qui influencent notre vie. Et s'il y a des questions, je sais pas. Oui, on va laisser justement si vous avez envie d'interagir et de partager peut-être votre ressenti, vos expériences par rapport à ces émotions dans le corps, comment ça résonne pour vous, c'est le moment, vous pouvez écrire tout cela dans le chat. Par rapport au passé, Gilles demandait, tu sais, tu parles de libérer ces émotions, ces fardeaux du passé. Est-ce que c'est le passé de notre vie actuelle ou bien les passés des vies antérieures? C'est les deux. Je ne comptais pas aller dans ce sujet aujourd'hui, mais c'est une très bonne question qui a besoin de recevoir une réponse. Sur la technique que je propose, que je vais expliquer, il y a plusieurs types d'émotions qui ont été identifiées. D'un côté, c'est nos émotions à nous, donc du passé de cette vie. On a eu des expériences à travers tout au long de la vie. Et il y a des émotions qui sont restées bloquées dans le corps. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi des émotions héritées. Ça aussi, c'est des émotions qu'on a reçues. Donc, ce n'est pas de cette vie à nous. On les reçoit lors de la conception, soit du côté maman, soit du côté papa. Et eux aussi, ils peuvent hériter de ces émotions. Donc, c'est à peu près 30 générations, mais des fois, ça dépasse tellement que on se retrouve avec ce gros fardeau, on ne sait pas pourquoi. Et du coup, oui, bah, c'est une émotion héritée depuis si longue génération. Il y a aussi des émotions prénatales, soit entre le moment de la conception et le moment de la naissance. Et il y a aussi des émotions bloquées des vies antérieures. Donc, ce n'est pas de la famille où on est né dans cette vie, mais de nos vies antérieures. Et il y a aussi des émotions qui ne sont même pas à nous. C'est des émotions qui sont absorbées. Donc, on voit une personne souffrir, on prend l'émotion sur nous, et peut-être la personne, elle peut tout gérer, elle n'a même pas une émotion bloquée dans le corps, mais nous, on l'a prise sur nous, on a considéré que c'est important. Et il y a aussi des émotions partagées. Donc, lors des traumas collectifs, comme il y a beaucoup dans ces temps, toutes les personnes qui traversent le même trauma, qui le ressentent de la même façon, peuvent avoir une même émotion, donc une même énergie émotionnelle qui est commune à toutes ces personnes. Et du coup, on peut libérer des émotions qui sont à nous, qui sont de cette vie, qui ne sont pas à nous,
ou qui sont hérités ou voire d'autres vies passées. Merci Dorella pour toutes ces explications et c'est vrai que c'est précis et c'est intéressant de voir aussi la source des différentes émotions. Le bonheur dit oui, je suis d'accord à accepter ces émotions qui remontent. C'est ce dont tu parles aussi, c'est comment accepter, puis avec cet outil, comment peut-être accepter et puis par la suite transformer, c'est ça? Donc, c'est pas juste une acceptation, voire, donc le terme, je l'aime bien, mais en fait, c'est pas accepter les émotions, c'est libérer les émotions. Mais ce que j'aime bien, donc cette acceptation, moi je dis toujours, on libère avec de l'amour. Donc on rejette pas, on dit pas je veux plus de toi, non, au contraire. Donc c'est une libération que moi je fais avec de l'amour, parce que cette émotion, donc elle est venue à moi pour me dire quelque chose et maintenant je la libère. Donc elle va être libérée. Donc ce côté acceptation, j'aimerais le voir plus avec amour, on va les libérer. On rejette pas les émotions. Donc c'est une énergie qui maintenant est libre de partir faire sa vie ailleurs sur une meilleure forme. Merci pour la précision. Sophie dit émotions dans mon corps, elles sont souffrances pour le moment. Ça, c'est une chose très importante et merci pour cette précision. Je ne vais pas dire que c'est des souffrances pour le moment, mais c'est vrai que les émotions bloquées dans le corps peuvent engendrer différentes troubles, soit de santé physique, mentale ou des blocages. Elles sont fortement liées aussi avec les croyances limitantes. Donc, soit on travaille sur les croyances et on va voir comment les émotions sont libérées, soit on travaille sur les émotions, on les libère et on va voir les croyances changer. Donc, il y a un fort lien. La souffrance... j'aime dire, et j'espère que vous allez apprécier ça et ça ne va pas vous faire du mal, la souffrance, c'est un choix. Le douleur, il est normal, il est naturel. Donc, si on se fait mal, ça fait mal, c'est une douleur. Mais si je continue à souffrir, c'est un choix. On n'a pas toujours le choix, mais en travaillant sur la libération émotionnelle, on va voir cette souffrance se transformer, se libérer. Et c'est vraiment la sensation que tout le monde décrit. C'est comme si on sent les pierres sur nos épaules et avec chaque émotion libérée, on sent comme le fardeau s'enlève et on a des fois l'impression d'être dans l'air, parce que c'est tellement facile à sentir toute cette libération émotionnelle. Merci. Alors, une autre question, comment arrêter des situations de rejet qui se répètent dans une relation? Tu en as un peu parlé, mais... Je pense que c'est le sujet de la soirée. Je ne vais pas répondre à cette question à ce moment précis parce que c'est tout le thème de la soirée. Donc, c'est comme si je commence à tout raconter dans deux minutes. Oui. Très bien. Merci. Okay. C'est bon pour les questions. OK. Maintenant, on se pose ces questions. Pourquoi on a des émotions bloquées? Je disais qu'on ne sait pas les gérer. Elles restent bloquées, elles nous font mal. Donc, des fois, c'est des douleurs physiques. Des fois, je travaille avec des clients, ils viennent avec des douleurs, on fait des libérations émotionnelles. Donc, au bout de 10 minutes, la personne, elle se dit, mais comment ça se fait que j'ai plus mal à l'épaule ou à la jambe? J'ai eu un client, au bout de 5 minutes, il me dit, mais j'arrive pas à le croire, j'arrivais pas à marcher et maintenant, je peux sauter sur ma jambe. Donc, on voit des résultats comme ça. Ce n'est pas toujours le cas, mais... on peut voir des choses qui se passent de cette façon. Je voudrais parler de cette technique toute simple, mais j'aimerais d'abord vous présenter, parce que j'ai dit qu'on peut prendre cet outil à l'utiliser à la maison. Et c'est un outil qu'on utilise aussi par les kinésiologues, et c'est le test musculaire. On peut le faire nous-mêmes. Il ne faut pas avoir certaines aptitudes pour le faire. C'est vrai que ça peut, il y a certaines contraintes des fois. On peut voir que ça ne va pas marcher, mais on peut quand même l'essayer.
Pour cela, il faut être bien hydraté. On ne l'a pas dit d'avoir de l'eau, donc si jamais vous n'êtes pas bien hydraté, vous prenez une pause et vous pouvez boire de l'eau. L'eau, elle est vraiment importante parce que, bon, notre corps, je dis que c'est de l'énergie, mais c'est aussi fait de beaucoup d'eau et l'eau va nous aider à conduire ces émotions et aussi à avoir cette communication avec le sous-conscient. Parce que je parlais de sous-conscient, que ces émotions sont dans le sous-conscient et pas dans le conscient. Et pour comprendre ce test musculaire, il y a plusieurs façons de le faire. Mais on va parler des deux plus simples que vous pouvez tester vous-même à la maison. Soit vous pouvez vous mettre debout, donc si vous avez la place, moi je ne vais pas le faire aujourd'hui parce qu'il y a une deuxième partie de la technique qui est aussi fonctionnelle. Donc soit on se met debout, soit on reste assis sur une chaise, mais il y a la place devant et derrière, donc pas attaché avec le dos. Donc soit vous êtes debout, soit vous êtes assis. On prend une inspiration profonde. Et là, Charlotte, je te vois bâiller et c'est une chose très importante parce que ce bâillement, ça ouvre la communication avec le sous-conscient. Ça confirme que là, il y a une ouverture de communication. Donc, pour pouvoir faire du test musculaire, il y a les phases préparatoires. Première phase, c'est de tester le oui et le non. Pour communiquer avec le sous-conscient qui est émotion, énergie, on ne peut pas parler avec le sous-conscient. Par contre, si on utilise le corps, il peut nous répondre oui et non. En principe, quand on dit oui, c'est quelque chose que nous, on veut. Donc, on va vers l'avant. On dit oui, je veux. Quand on dit non, je ne veux pas quelque chose, on se met toujours en arrière. Du coup, on a pris l'inspiration profonde et on peut dire oui. Et on laisse le corps bouger. Je vous laisse un petit peu de temps. Et vous pouvez continuer à dire oui. Si vous ne sentez rien du tout, vous pouvez boire de l'eau, inspirer profondément et vous connecter encore une fois à ce oui. Donc vous laissez... éventuellement, pardon, je pose une petite question, c'est est-ce que pour faciliter la chose, est-ce qu'on pourrait éventuellement demander à notre corps de dire bah, mon corps, montre-moi qu'est-ce que c'est qu'un oui ou pas? Donc, il y a des fois quand le oui et le non se sont inversés et on peut changer ça aussi. Mais pour le sujet d'aujourd'hui, le plus important, c'est de faire ce oui. Donc, on D'accord. peut dire oui ou on peut penser à quelque chose que nous, on veut, du coup, de voir que le corps va incliner. Il y a des personnes, au début, elles sentent seulement cette envie. Elles ne bougent pas. Mais après, plus ils travaillent ce oui et non, donc on met même le pied en avant de peur de ne pas tomber, parce que c'est vraiment important ce qu'on ressent. Et ce n'est pas quelque chose que moi je fais, je dis à mes clientes de le faire. Donc, c'est sûr qu'on peut presque tous le faire. Il y a certains problèmes physiques qui nous empêchent à ressentir ça, mais dans ce cas-là, il y a d'autres possibilités de tests musculaires qui peuvent aider. Donc, pour le oui... Et Marie dit, c'est plus facile pour elle, en tout cas, debout. Oui, c'est plus facile debout, donc, la première chose, donc le oui, ça c'est pour vérifier le oui. On se remet en position debout et on fait le non. Et on se remet en position debout. Donc, le premier test, c'est de vérifier le oui et le non. Parce que si c'est à l'envers, ben les réponses vont être à l'envers. Mmh. Et du coup, il faut bien savoir où c'est le oui, où c'est le non. Tout à fait. Peut-être qu'on peut laisser quelques secondes pour que vous puissiez tester et puis faire les retours. Est-ce que votre corps a bougé vers l'avant pour le oui? Est-ce que votre corps a bougé vers l'arrière pour le non? Ou est-ce que peut-être que pour vous, c'est inversé?
Faire ça, est-ce que ça te va, Dorella? Juste qu'il puisse tester juste quelques secondes pour avoir quelques retours. Ben oui, le temps que nous on parle, parce qu'après, il y a deux Oui, autres questions qu'on va poser et ça va être c'est plus simplement facile. pour que vous puissiez aussi, parce que c'est vrai que c'est important d'établir, en tout cas de vérifier cette convention avec notre corps, avec notre subconscient. Qu'est-ce que le oui, qu'est-ce que le non? Avant de pouvoir poser voilà, d'autres questions, en fait, déjà d'être bien sûr de bien ressentir quand c'est oui, quand le corps, comme tu dis, a une impulsion vers l'avant, ou lorsque c'est non, quand le corps a une impulsion vers l'arrière. Est-ce qu'il y a des personnes justement qui ont. Ah, le bonhomme dit oui, très puissant, le corps a bougé tout de suite. Bon, bah, c'est super. Déjà, il y a au moins une personne, voilà, qui a testé. Je te laisse continuer. Je suppose qu'il y en a sûrement d'autres là dans l'assemblée qui vous avez pu tester. Alors, on va pouvoir continuer Oui. avec d'autres questions. Oui. Ensuite, donc une fois qu'on a détecté le oui et le non, on peut se connecter à notre énergie à nous ou à d'autres personnes. Moi, en tant que thérapeute, je vais me connecter à l'énergie de mes clients. Mais dans ce cas-là, on doit se connecter à notre énergie à nous. Donc, les questions suivantes sont: mon nom est, et on dit notre nom à nous. Et du coup, comme on a déjà testé le oui, ça doit aller vers l'avant. Si le corps ne va pas en avant pour notre nom à nous, peut-être on se dit différemment. Donc, il y a un nom, mais on utilise un autre nom. Du coup, vous pouvez tester les autres noms que vous utilisez pour Oui. vérifier si vous êtes connecté à vous. Un peu comme les surnoms, c'est ce que tu veux Oui, dire. C'est ça quand on se oui, donne des surnoms. Ok. oui. Si on a vérifié ça, juste pour être sûr que on est bien connecté à nous, on va dire mon nom est, et cette fois-ci, ça va être un tout autre nom qui n'est pas à nous. Alors, il y a une personne qui dit, je l'avais déjà fait avec mon corps et avec mon bras qui tourne soit vers la droite pour le oui, soit vers la gauche pour le non, comme un pendule. On Donc, peut c'est utiliser encore. même le pendule. Le pendule, il va juste augmenter, amplifier ce que le corps transmet. Donc, ce n'est pas le pendule en lui-même qui va travailler sur le corps, mais c'est le corps qui transmet l'information au pendule. Ici, je comprends bien qu'il ne s'agit pas d'un pendule, mais je voulais expliquer ça aussi. Et comme je disais, le test musculaire, on peut le faire sur différentes formes, mais le plus facile à apprendre maintenant en ligne sur cette façon, c'est ce test debout ou assis. Parce que même assis, je sais que c'est pas la même chose, mais on peut le faire même assis. On est assis dans le bus, dans le train, personne ne nous voit et nous on fait notre test musculaire et on peut travailler sur nous-mêmes. Merci, Dorella. Et oui, il y a plusieurs tests musculaires et il y a aussi des tests, ce qu'a pu utiliser peut-être cette personne. C'est vrai qu'on travaille avec le subconscient, notamment avec les états modifiés de conscience par l'hypnose, par exemple. On peut aussi établir comme ça des conventions, voilà, avec des mouvements. Et en même temps, là, ce qu'utilise toi, enfin, ce que tu utilises, notamment ce test musculaire, il est vraiment tiré de la kinésiologie. Il y en a plusieurs. Et là, ce que tu nous proposes, c'est, voilà, debout ou assis, en tout cas, voir comment le corps oscille. Oui. Donc, on a préparé ces questions du début. Donc, le oui, le nom, prénom, surnom et un nom qui n'est pas à nous, juste pour vérifier que c'est toujours le oui et le non. Donc, une fois qu'on a fait les tests, on peut commencer à poser des questions au sous-conscient. Et maintenant, je vous invite à tester des émotions. Je vais donner quelques exemples d'émotions, mais testez l'émotion à vous. Donc, par exemple, j'avais parlé de l'abandon, de la trahison, anxiété, rejet, découragement, culpabilité, humiliation, honte, et je m'arrête parce que je donne trop de noms d'émotions. Donc, vous prenez une émotion, peut-être pas une que j'ai dit, et vous pouvez demander, est-ce que j'ai cette émotion bloquée dans mon corps? Et vous verrez. Vérifiez si c'est un oui ou un non.
sur la technique que nous, on va utiliser, il y a un processus à faire. Donc, ce n'est pas juste un hasard à poser des questions. Mais la beauté de cette technique, c'est qu'on peut poser ces questions, on peut identifier des émotions et ce même processus peut être utilisé même pour les croyances. Donc, on veut changer des croyances et on peut utiliser ce même processus pour les croyances. Et ça, je trouve génial parce qu'on peut tester. On n'a pas tout le parcours qui est très carré, très bien fait. Mais au moins, on peut se dire, bon, ben, j'ai une émotion bloquée et je peux partir la libérer. Donc, si ceux qui sont en direct, ils peuvent dire qu'ils ont trouvé des émotions, parce que ça va nous aider pour les libérer par la suite. Alors, on peut prendre quelques secondes, en effet, si vous voulez écrire dans le chat, nous partager justement avec quelle émotion vous avez testé. Est-ce que vous avez cette émotion, donc c'était la phrase, hein, bloquée. Est-ce que j'ai cette émotion bloquée en moi? Oui, non. Parce que là, on va continuer, hein, c'est ce que tu nous proposes, hein, c'est de continuer le processus pour libérer cette émotion. C'est ça? Ouais. La question suivante, est-ce que je vais libérer cette émotion? Et si la réponse est oui, on va voir comment c'est. Et pour cela, je vais expliquer comment on fait la libération des émotions. Et comme nous avons aussi préparé 3 ateliers, peut-être que le temps que les personnes nous écrivent, tu peux dire oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que là, on parle d'émotion. Tu nous transmets cette technique très simple, justement, de ce pendule intérieur, hein, de comment le corps va nous indiquer au niveau du subconscient si c'est oui, si c'est non, et d'aller libérer les croyances, les émotions qui peuvent être bloquées grâce à cette technique. Donc, on va aller un peu plus loin aujourd'hui dans la conférence. Et en même temps, comme tu nous le disais, tu nous proposes 3 ateliers pour aller davantage en profondeur et se libérer du passé, alors que ça soit la relation avec la mère, le père, l'enfance et la relation avec notre partenaire de couple, notre futur partenaire de couple, et puis la relation aussi avec son corps et soi-même. Alors, ces 3 ateliers avec 3 thèmes, toujours avec ce point commun de libérer du passé, mais avec des angles différents, et qui se passeront le 15 mars, le 23 mars et le 29 mars. Je vais te laisser en parler dans quelques instants. En tout cas, pour les personnes qui aimeraient justement pratiquer davantage, avoir des outils, puisque dans tes ateliers, tu vas notamment transmettre, et puis on va expérimenter des exercices, notamment de libération des émotions, de reconnexion, de méditation, en plus des temps d'échange et des temps d'intégration. Donc, c'est vraiment c'est très pratico-pratique, hein, que vous pourrez refaire et refaire, puisque ces ateliers, ils sont en direct. Et en même temps, si vous n'avez pas la possibilité d'être là, et puis même si vous êtes là, vous pourrez re-écouter, re-regarder ces ateliers, repratiquer aussi en autonomie. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, je vous mets le lien dans le chat pour ceux qui sont en direct. Et pour les personnes qui regardent en replay cette conférence, sachez que vous retrouvez toutes les informations simplement juste en dessous dans le descriptif sur YouTube. Vous allez retrouver le lien pour en savoir plus sur ces 3 ateliers et nous rejoindre. Et puis, sur l'Académie La Nouvelle Vie, sur la page des replays, vous avez aussi justement toutes les informations un petit peu plus bas pour vous inscrire. Et sachez qu'il y a 3 ateliers à un tarif vraiment, mais vraiment très abordable, puisque l'Académie de la Nouvelle Vie s'associe à Dorella justement pour offrir au plus grand nombre cette possibilité aussi de libération avec ces 3 ateliers à un tarif particulier qui sont en même temps téléchargeables. Voilà, donc vous retrouvez toutes ces informations dans le lien que je vous ai transmis. Alors, Dorella, justement,
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces ateliers? Qu'est-ce qu'ils vont nous permettre et qu'est-ce que l'on peut aussi espérer par la suite en pratiquant ce que tu vas nous proposer? Pour les ateliers, pour faire court, ça va être vraiment pratico-pratique ce que tu dis, parce que ce n'est pas un atelier où je parle de quelque chose. On va passer directement à la libération des émotions. Et je disais, nous, on a appris cette technique pour pouvoir l'utiliser, mais lors d'un atelier de groupe, comme j'ai préparé, on va partir sur le sujet de ces relations que tu viens d'écrire. Et moi, je vais donner encore plus de détails par la suite. On va travailler sur ces relations, libérer les émotions qui sont liées à ces relations. Et ce qu'on voit, c'est les changements dans nous, à l'intérieur du corps et ensuite dans les relations avec d'autres personnes. Je vais intégrer plusieurs techniques parce qu'il y a un livret qui est offert à tous les participants, à toutes les personnes qui vont s'inscrire aux ateliers avec des questions. Ce processus de questions va nous aider à identifier d'où est-ce qu'on a parti, où est-ce qu'on a arrivé, pourquoi c'est très important de poser ces questions. J'ai des clients, ils me disent leurs problématiques en début des séances. Et à la fin de séance, la question c'est, je ne comprends pas pourquoi je t'ai donné à travailler sur ça, parce que ce n'est pas relevant pour moi. On part d'un 8 sur 10 intensité émotionnelle, et à la fin, ce n'est même pas 0 sur 10, c'est tellement inapproprié à parler, parce que ce n'est pas intéressant du tout. Donc, ces questions vont nous aider à trouver les problématiques spécifiques de chaque personne, même si on travaille en groupe, même si vous allez regarder l'enregistrement, c'est conçu spécialement pour chaque personne qui va regarder les ateliers. Donc, c'est important de voir ce livret de travail. Si on regarde plusieurs fois les enregistrements, on peut le retravailler à chaque fois avec des choses différentes. On va libérer des émotions lors de l'atelier. Et il y a une intégration de tout ce qu'on a fait parce qu'on se reconnecte, même voir avec la mère et le père. Donc, il y a cette reconnexion au niveau énergétique, mais libérée du fardeau émotionnel. Et du coup, on aime partir dans ce voyage où on retrouve cette mère bien aimante, peu importe comment elle était dans la vraie vie. Si elle était là, si elle n'était pas là. Et c'est un souvenir qui reste après pour la vie. C'est une émotion qu'on veut savoir qu'elle est là dans notre cœur. Et le temps d'échange, il est important aussi justement pour voir ce qui s'est passé entre le début et la fin de chaque séance et au bout des 3 ateliers. Et on revient sur le sujet d'aujourd'hui. Oui, tout à fait, sur les émotions, puisque il y a notamment, alors, c'est le bonheur qui disait oui, l'émotion de culpabilité. Et Sophie, mon émotion bloquée et rejet. Pas réussi à la libérer ce soir. Mais Sophie, justement, on va le voir, on n'y est pas encore. Là, pour l'instant, c'était la question. Alors, on a fait une petite parenthèse par rapport aux ateliers, parce que les ateliers sont aussi intéressants pour aller plus loin et justement faire toutes les pratiques que tu vas nous proposer. Là, Dorella nous propose, et on va dire, comme un apéritif, finalement, avec cet outil pour libérer. Et dans un premier temps, c'était questionner le corps, oui, non, les tests avec le prénom. Et puis après, la question, c'est est-ce que j'ai telle émotion, donc à nous de la nommer, bloquée dans mon corps? Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Donc là, Sophie, on voit que le rejet, apparemment, le corps a dit oui. Et si on passait à la suite, Dorella, comment on fait justement pour libérer? La question suivante, c'était est-ce que je peux la libérer? Parce que d'habitude, on peut poser plusieurs questions. Donc, dans les sessions individuelles, on travaille sur une personne. Dans les sessions du groupe, ce n'est pas forcément utile. Donc, on n'a pas besoin de découvrir plus de détails sur les émotions. On va juste savoir si c'est une émotion héritée et on peut même voir si c'est héritée de la maman ou du papa. Et c'est au niveau
du groupe. Donc, c'est des émotions qui résonnent pour toutes les personnes du groupe et chaque personne va libérer ses émotions. Je veux faire une petite précision parce que là, on parle de deux émotions et ça m'aide beaucoup à dire ça. Donc, quand on va libérer une émotion, on ne va pas libérer toute la culpabilité du monde. On libère une instance de culpabilité, une instance précise. Par exemple, lors d'une séance de groupe, on peut voir même 10 fois le même nom d'émotion. Mais ce n'est pas la même émotion, c'est juste le nom qui est le même. Je peux l'expliquer ça comme si on a des pommes, un arbre, un pommier. Et du coup, donc chaque pomme, c'est une autre culpabilité qu'on va trouver. Mais avec chaque émotion qu'on va libérer, on va sentir comment ça se libère. Il y a même le corps qui communique des fois. On va avoir ce bâillement que tu as eu en début de séance. On peut avoir des larmes aux yeux, le nez qui coule, même du goût du métal dans la bouche, des frissons de froid, de chaud, et voir d'autres choses qu'on peut ressentir. Et il y a des personnes qui ne ressentent rien du tout, mais pourtant ça fonctionne toujours parce que notre corps est énergie, qu'on le veuille ou pas, qu'on le croit ou pas. Et on revient pour... Oui, oui, quand tu parles de cette... je trouve ça intéressant justement cette image d'arbre et de pommes. Finalement, est-ce qu'on peut dire que toutes ces pommes qui pourraient être comme... le dit Sophie, éventuellement le rejet. Toutes ces pommes, c'est le rejet. Est-ce qu'on pourrait dire que ces pommes, finalement, chacune est peut-être attachée aussi à un moment où on a vécu ça, où ça s'est imprimé. Donc finalement, c'est petit à petit, c'est pas le rejet dans sa globalité qui est libéré, mais c'est à quoi finalement notre subconscient fait référence. Justement peut-être comme moment, comme instant, comme situation, voilà, là où on a pu ressentir ça et qui libérait petit à petit, en effet, mais on se libère d'une grosse partie. Est-ce que c'est ça? Oui, et le truc très important, c'est que le subconscient, il va toujours nous aider à libérer les meilleures émotions. C'est étrange de le dire comme ça, mais il nous soutient pour trouver les émotions qui vont nous aider. Donc, on choisit un problématique. Donc, comme on a dit pour les ateliers, on commence avec le premier atelier où il y a la relation avec la mère et le père. Je vais dire tout à l'heure pourquoi c'est tellement important pour moi de parler de la mère et du père. Et du coup, dans la relation avec la mère et le père, donc toutes les émotions qui sont bloquées, elles vont être libérées. Quand je dis toutes, je parle des émotions dans l'atelier. Donc, ce n'est pas tout globalement, mais dans l'atelier, chaque émotion qui va être libérée, c'est très importante. Et c'est en lien avec le thème qu'on a choisi pour l'atelier. Le bonheur demande, donc il faudra y revenir plusieurs fois, il faut le faire plusieurs fois cette pratique, une fois que tu vas faire ça dans l'atelier, il faudra le refaire plusieurs fois pour libérer, c'est ça? Moi je conseille de refaire l'atelier, ce n'est pas la même émotion qu'on va libérer, avec cette technique là, une émotion libérée, elle est définitivement libérée. Par contre, si on regarde à nouveau, si on se remet dans l'état de connexion et on accepte de libérer ses émotions, s'il y a d'autres émotions qui vont résonner sur tout ce qu'on a trouvé, on va ressentir d'autres émotions qui vont se libérer. Donc, je conseille de refaire l'atelier. Après, c'est vrai qu'on peut faire de nouveaux ateliers pour trouver de nouvelles émotions qui peuvent être libérées. Parce que c'est comme lire le même livre. Donc, ça fait du bien. Une énième fois, et elle me dit, je ne comprends pas comment, mais ce livre, il est différent à chaque fois, à chaque lecture, parce que quelque chose a changé. Après, c'est vrai qu'un deuxième livre, ça apporte des choses différentes. Donc, un atelier, ça va aider. Donc, si vous le reprenez une fois par mois, vous allez encore ressentir des émotions qui vont ressortir, qui vont être libérées. Et du coup, une nouvelle étape a été parcourue.
Merci. Alors, simplement, je réponds à Sophie qui redemande les dates. C'est le mercredi 15 mars, le jeudi 23 mars et le mercredi 29 mars à 20h30. Et bien sûr, tous les ateliers sont en replay si jamais vous ne pouvez pas être là ou de toute façon pour refaire les pratiques. Et alors, par rapport à cette émotion, là, si on continue le fil des questions, va-t-on arriver à la libération? Oui. Donc, je ne sais pas si votre réponse a été oui ou non, mais ce que je vous conseille, c'est de trouver une émotion pour laquelle la réponse va être oui, on peut la libérer, parce que c'est le but d'aujourd'hui pour voir ce que vous ressentez une fois que vous avez libéré l'émotion, surtout que Sophie avait dit, je n'ai pas réussi à la libérer ce soir. Donc, on va voir si elle réussit à libérer une émotion et comment elle le ressent ça dans son corps. Je reviens au ce processus de visualisation parce que je l'aime beaucoup et ça m'aide à vous partager comment ça se passe, ce processus de libération émotionnelle. Donc, le test musculaire, ça nous sert pour identifier ce qu'on va libérer, si c'est une émotion ou si c'est un changement de croyance. Mais nous, on parle des émotions ici dans ce cas précis. Et après la libération, de vérifier que l'émotion a été libérée. Maintenant, pour libérer l'émotion, je vous prie de visualiser les cartes magnétiques. Donc, moi, dans les hôtels, je suis sûre qu'en Allemagne, j'ai vu ça. Je ne sais pas si ça existe en France ou pas. Donc, à la place de recevoir des clés, moi, j'ai reçu une carte magnétique. Donc, j'arrive à l'accueil, ils mettent la carte sur un dispositif, il y a une information qui s'inscrit sur la carte. Et avec cette carte, je peux aller ouvrir la porte de la chambre. Donc, l'émotion qui reste bloquée dans le corps, c'est comme l'information qui est écrite sur la carte. Maintenant, cette carte magnétique, si on prend un aimant, voire un aimant du frigo, donc il ne faut pas chercher ou acheter d'autres aimants. Donc, vous prenez un aimant du frigo et vous passez l'aimant sur la carte quelquefois et vous essayez d'ouvrir la chambre, ça ne marche plus. L'information qui était inscrite sur la carte a disparu. Notre corps est énergie. Il y a une bioénergie. Il y a un magnétisme naturel. Je sais, on ne peut pas toucher le fer et le voir comment ça se colle à notre corps, mais c'est un aimant naturel. On peut utiliser un aimant du frigo. Si vous n'avez pas un aimant du frigo, on peut frotter les mains et il y a un aimant qui va s'activer pour nous aider à libérer les émotions. Donc, voyez la carte magnétique, vous l'avez dans les pensées. Et comme on passe l'aimant sur la carte magnétique, nous, on va utiliser un des méridiens du corps, le méridien gouverneur. Il commence au-dessus de la lèvre supérieure. Il part en ligne droite jusqu'à derrière la tête, tout au long de la colonne vertébrale et jusqu'en bas. Et on peut utiliser n'importe quelle partie de ce méridien. Donc, si on travaille sur nous-mêmes, si on utilise la main, on commence au-dessus de la lèvre supérieure et on va jusque là où on arrive. Si vous avez des problèmes de cou, vous ne forcez pas. Donc, vous utilisez la partie que vous pouvez. Quand je travaille sur des clients en individuel, en présentiel, je peux utiliser cette autre partie. Donc, je commence derrière le cou et je descends sur la colonne vertébrale. Mais on n'a pas besoin de partir tout au long du méridien. Une partie et c'est suffisant. Et du coup, on frotte les mains ou on prend les mains. Vous avez identifié l'émotion qui est prête à être libérée. Vous vous connectez à cette émotion. On avait dit par rapport à l'acceptation, moi j'avais parlé de l'amour, d'accord? Et du coup, je pense à cette émotion et je la libère. Donc c'est avec de l'amour. On ne fait pas de rejet sur les émotions. Et vous passez trois fois la main et vous dites, je libère l'émotion bloquée et l'émotion que vous avez identifiée. Une fois que vous avez fait ça, vous vous remettez debout et vous faites le test musculaire. Est-ce que l'émotion
bloqué et vous dites le nom a été libéré. Si c'est un oui, c'est bon, c'est fait. Si c'est un non, vous pouvez refaire trois fois. Le non peut être dû à une émotion qui a été peut-être héritée. Et dans ce cas, il faut passer plusieurs fois la main pour libérer l'émotion. Ou simplement, c'est une émotion qui avait besoin de passer plusieurs fois la main. Et vous arrêtez ce questionnement au moment où la réponse est oui, l'émotion a été libérée. Donc, on attend de voir cette émotion libérée. Et la chose très importante, c'est que cette émotion qui a été libérée, elle est définitivement libérée. Elle ne revient jamais. Si on retrouve une autre pomme, donc c'est une autre pomme qu'on prend. Ce n'est pas la même pomme. On ne va jamais avoir la même pomme. C'est toujours quelque chose de différent. C'est très important de retenir ça parce que ça soulage de savoir j'ai libéré une émotion, j'ai libéré une autre émotion et comme ça la suite. Donc, j'aimerais savoir si vous avez libéré des émotions ce soir. C'est très intéressant, en effet, que vous puissiez faire l'exercice là et puis nous transmettre justement ce qui s'est passé pour vous, notamment Sophie qui souhaitait se libérer ce soir de cette émotion de rejet. Donc peut-être le temps que vous puissiez le faire et surtout... écrire dans le chat, peut-être rappeler. Donc, on utilise le test musculaire, donc peut-être le plus facile, debout. Et puis, on voit oui, non. Et on pose la question, est-ce que j'ai telle émotion bloquée dans mon corps? Oui, ok. Est-ce que je suis prête à les libérer? C'est bien ça, hein? Le terme, est-ce que je suis prête à les libérer? Est-ce que l'émotion peut être libérée? C'est pas... Est-ce que l'émotion, pardon, j'ai pas tout retenu. Est-ce que l'émotion peut être libérée? Oui, non. Donc, si c'est oui, on continue. Là, on peut poser des questions. Est-ce que, en effet, on a eu cette émotion en héritage du père, la mère, etc. Et puis, après, eh bien, on se connecte à cette émotion. Et là, on fait l'exercice de la visualisation de l'aimant. Donc, on active notre aimant au centre de la main et on passe cet aimant à partir de la base du méridien gouverneur, donc au-dessus des lèvres et jusqu'à la nuque. On s'arrête à là, on ne va pas plus loin. Voilà, plusieurs fois, au moins trois fois. Et on reteste justement en demandant si l'émotion a été libérée. Si c'est oui, parfait. Si c'est non, on recommence plusieurs fois et on reteste, etc., etc. Alors, Sophie nous dit voilà, qu'elle regardera en replay les ateliers. Donc, bienvenue en tout cas à vous, Sophie. Et une autre personne dit la solution, la réponse a été oui. Joss dit oui, je l'ai fait. Émotion de rejet et elle est libérée. Bravo! Wow! Et c'est pareil aussi, oui, l'émotion a été libérée pour le bonheur qui disait l'émotion liée notamment sûrement à la culpabilité, un petit peu plus haut. Et je pense que la réponse a été oui, ça, c'est aussi pour le fait que l'émotion a été libérée. Donc, oui, c'est ce que je comprends de la réponse, oui. Donc, vous avez vu, c'est facile de libérer les émotions. Après, le processus, il est bien plus simple quand on suit le code émotionnel. Donc, c'est la technique que moi, j'utilise. C'est un code avec 60 émotions. Et ce n'est pas ce questionnement, est-ce que j'ai une émotion captive d'abandon? Est-ce que j'ai une émotion bloquée de trahison? Est-ce que j'ai une émotion... Je ne vais pas poser des questions comme ça. On va trouver chaque émotion dans un processus bien plus simple. Et du coup, on va libérer soit des émotions héritées, soit des émotions qui étaient à nous. Et on sent à chaque fois que quelque chose se libère bien en profondeur. Donc ça, ce code-là, ces différentes émotions,
pour aussi gagner aussi un petit peu de temps et être peut-être plus efficace. C'est ce que nous allons voir dans les ateliers, c'est ça? Dans les trois Oui, ateliers que tu nous ouais. proposes, on va utiliser ça. Justement, je vais dire quelques petits mots sur les ateliers parce que c'est important de comprendre pourquoi ces ateliers. Parce que moi, je me suis dit, j'ai ma relation avec mon mari. Donc, je répète, moi, mon activité vient de cette relation avec mon mari qui avait besoin de découvrir cette flamme. Moi, je vois la relation de couple comme quelque chose de très pur. Où malgré tout ce qui a été dans le passé, on peut retrouver ce bonheur, cette pureté de l'âme et du coup une relation où on se sent épanoui à tout moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des disputes ou des problèmes. La vie, elle est la vie pour tout le monde. Mais la façon dont on interagit, ce n'est vraiment pas une relation toxique. C'est vraiment de l'harmonie. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais on peut trouver la solution en toute harmonie. Et du coup, on va commencer avec la relation avec la mère et le père. Donc, la mère, c'est la personne qui nous a donné la vie sur cette terre. Des fois, il y a les mères qui ne veulent pas d'enfants. Donc, il y a déjà un rejet, même avant d'être née. Et on souffre de ça. On se rend jamais compte qu'on souffre de ça depuis ce moment-là. Et on a besoin de guérir cette relation avec la mère. Des fois, il y a des personnes qui ont une relation très belle et sereine avec leurs parents. Et pourtant, lors de l'enfance ou tout au long de la vie, même si nous, au niveau conscient, tout allait bien, des fois, on n'a pas su comment gérer les émotions et du coup, ça va nous impacter les relations. Il y a ce côté, donc tout est interconnecté. La relation avec la mère, c'est la relation avec le monde. La relation avec le père, c'est la relation avec l'argent. Donc, on veut certainement être bien dans le monde, nous-mêmes, et avec les autres, être bien avec l'argent, avoir accès à cette abondance infinie, parce que on entend que ça existe, mais on n'arrive pas à la goûter parce qu'il y a plein de blocages. On travaille avec la relation avec la mère et le père et on s'autorise à bénéficier de tout ce qui vient une fois qu'on commence à libérer ses émotions. Les émotions en lien avec les parents influencent beaucoup la relation de couple. S'ils n'avaient pas une belle relation entre eux, nous, on se retrouve coincés, obligés à revivre certaines choses et on ne sait pas comment se libérer. On se libère des émotions bloquées et on va voir que la réaction, elle n'est jamais la même. Donc, on est sorti du cycle où on était avant. On n'est pas obligé à répondre de la même façon. On n'est plus maman, on n'est plus papa. On ne voit plus le partenaire en tant que l'autre, le parent du sexe opposé. On peut retrouver plein de belles choses qui peuvent se passer grâce à cet atelier. Après, il y a un deuxième atelier où on va travailler sur l'enfance et la relation avec le partenaire de couple. Au début, pour moi, c'était la relation avec mes enfants, donc du coup, la relation avec des enfants. J'ai compris que, en fait, tout le monde n'a pas encore des enfants, mais par contre, tous, on a vécu notre enfance et il n'y a pas que mère et père dans notre enfance. Donc, il y a les personnes qui ont été autour de nous, les adultes, mais aussi tous les enfants. Je pense qu'on a tous souffert à cause d'autres enfants. Et du coup, ça nous, on a pris toutes les relations toxiques, elles ont resté collées à nous et on les reporte dans notre vie présente. Il y a les relations, ex-relations. À cause de mon ex, j'ai peur de toutes les personnes. À cause de mon ex, et ça, on peut avoir une liste très longue. Mais ce n'est pas que les ex. Si on est déjà dans une relation de couple, je me souviens ce que tu m'as fait cette fois-ci. Du coup, il y a toujours cet attachement émotionnel toxique. Donc, lui, il veut changer, mais moi, je ne peux pas le laisser parce que moi, je me souviens de tout ce que j'ai souffert. Du coup, on va travailler pour libérer ses émotions de l'enfance dans la relation
avec le partenaire ou d'ex-partenaire. Et si on n'a jamais eu des partenaires, on peut penser à des personnes avec qui on a eu des forts liens d'amitié. Donc, on peut avoir toujours des personnes à qui penser, ok, j'ai jamais eu de relation, mais pourtant, c'est intéressant ce qu'on me propose dans les ateliers. Oui, ben, dans ce cas, on va se connecter à d'autres personnes qui étaient importantes dans notre vie. Pourquoi ce deuxième atelier, il est important? Ben, de l'enfance, on a beaucoup de croyances limitantes. Jusqu'à l'âge de 7 ans, on va tout absorber. On ne se rend même pas compte que c'est une croyance limitante parce que pour nous, c'est la réalité. Moi, je la crois comme ça parce que c'est ce que j'ai vécu toute la vie. Toutes les personnes m'ont rejeté. Ben non, c'est une croyance qu'on a reçue lors de l'enfance. On va libérer les émotions. Et on va retrouver que maintenant, les personnes ne vont pas nous rejeter. Elles vont venir vers nous. Tout va changer au niveau émotionnel. Il y a aussi les blocages qu'on a dans la relation du couple. Et on ne s'aperçoit même pas que c'est des blocages à nous. Tant qu'il y a des émotions qui sont bloquées dans le corps. Et du coup, on va se libérer des attachements émotionnels du passé. Donc, soit dans la relation de couple, soit dans d'autres relations. Et là, il n'y a plus cette alarme quand il y a quelque chose qui se passe. Parce que maintenant, c'est une situation qui se passe et je ne pars plus dans le passé connecté à mes émotions. Et pour le troisième atelier, après, on va voir aussi les questions. On a l'impression qu'on a fait déjà tout ce qu'il y avait d'important. Mais au final, le plus important, c'est la relation avec soi-même. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas commencé avec la relation avec soi-même, mais j'ai compris lors des autres ateliers que j'ai déjà fait que c'est un crescendo émotionnel. Donc, la maman, elle nous a donné la vie. Le papa, il a beaucoup contribué. Même si on dit que ce n'est pas beaucoup, c'est beaucoup au niveau énergétique. Et après, on a nettoyé, on a nettoyé, on a nettoyé pour arriver au plus profond de nous-mêmes. Et du coup, dans le troisième atelier, c'est la relation avec soi-même, mais aussi avec le corps. C'est une relation tellement toxique qu'on est homme ou femme. Il y a plein de toxicité dans la relation avec soi-même. Et il y a l'autosabotage, l'ennemi numéro un de nous-mêmes. C'est nous. Et c'est ce critique intérieur qui nous dit « tu peux pas, tu vas pas le faire, tu vas pas y arriver ». Donc, il y a toutes les critiques intérieures. Et du coup, on va faire un petit ménage intérieur et découvrir ce potentiel infini que nous, on a. Donc, moi, j'ai encore quelques petites choses et après, on peut passer aux questions. Oui, vas-y, Dorella. Comme ça, il y a cette récap de ce que signifient les ateliers. Lors de l'inscription pour les ateliers, vous allez recevoir ce livret de travail avec des questions. Et je vous invite et incite à lire les questions, à répondre aux questions et à utiliser ce livret. À chaque fois que vous repassez, regardez les ateliers, c'est très important pour vous. Et les personnes qui ont déjà suivi mes ateliers, il y a des personnes qui l'ont suivi plusieurs fois. Ils ont dit la première fois, j'ai pas pris ça au sérieux. C'était très fort, c'était puissant, ça m'a plu. Mais cette fois-ci, j'ai senti ce besoin de regarder le livret. Ça m'a changé la vie. Donc, c'est important. Mais même si vous n'avez pas le temps, c'est bien plus important de regarder les ateliers, de faire les ateliers. Mais si vous avez le temps, prenez le temps pour le livret aussi. Oui. Donc, juste une petite indication, le livret, vous allez pouvoir le retrouver dans votre espace personnel. En fait, simplement, quand vous allez vous inscrire, vous allez recevoir le lien pour aller sur ces ateliers d'Aurélia. Et il y aura ce livret qui sera sur cette page avec les différents ateliers ou les différents replays si vous regardez en replay. Je te laisse continuer. C'était juste une petite précision parce que des fois, les personnes se demandent où c'est. Oui. Donc, le livret, c'est avant et après chaque atelier. Vous allez identifier ce qui se passe parce qu'il y a aussi des questions au niveau, quelle est l'intensité émotionnelle. Et du coup, on va voir l'intensité émotionnelle au début
et à la fin, et ça peut changer même après plusieurs jours. Donc, ça continue à travailler dans le corps. Je vous conseille fortement de regarder l'enregistrement. Donc, même si vous venez en direct, le reprendre et voir ce qui continue à travailler sur vous. Et comment ça se passe dans les ateliers? Parce que peut-être c'est important pour vous de savoir. Donc, avant les ateliers, vous étudiez ce livret, vous répondez aux questions. Lors des ateliers, il y a cette connexion énergétique qui va se faire. On va travailler sur le thème des ateliers. On va libérer des émotions. Vous allez déjà ressentir, si vous êtes en direct, ce qui se passe et on peut échanger. Vous pouvez poser des questions, je peux vous répondre. Une fois qu'on a libéré les émotions, je vais utiliser une technique de EFT. Comme je disais, j'utilise plusieurs techniques. C'est la gamme des 9 actions parce qu'on a libéré toutes ces émotions et on va soutenir encore plus notre corps. La gamme des 9 actions va reconnecter les 2 hémisphères cérébrales et du coup, ce processus de libération va permettre au corps d'être encore plus connecté, va vous permettre à vous d'être plus en contact avec vos émotions et à partir de maintenant de sentir comment je sens cette émotion, je la laisse partir, je comprends comment la gérer. Une cliente, une participante à ce programme m'avait dit, après l'atelier, j'ai senti que j'étais submergée. Et du coup, j'ai passé la main pour libérer ce sentiment, cette émotion. Et tout de suite, je me suis sentie relaxée. J'ai libéré ce submergement que j'avais ressenti. Donc, du coup, vous avez des outils que ensuite vous pouvez reprendre et utiliser. Et une fois qu'on a fait tout ça, il y a une courte méditation guidée qui est en lien avec le thème de l'atelier. Donc, ce n'est pas une méditation enregistrée, préenregistrée. Ça va être vraiment construite pour l'atelier, pour vous aider à intégrer encore mieux ce que vous avez fait lors de l'atelier. Et pour ceux qui sont en direct, il y aura un court moment de partage. Comme ça, on va voir ce qui a été libéré, les ressentis, les questions, parce qu'il y a toujours des questions. Et du coup, c'est mieux de répondre aux questions que de dire, de parler du tout et du n'importe quoi, parce que les questions vont aider les personnes à bien comprendre ce qu'ils ont besoin. Merci Dorella. Alors, avant de conclure cette conférence, elle arrive à la fin, je te propose de répondre à 3 questions. Alors, tu y as déjà, j'ai l'impression, d'une certaine manière répondu, mais comme ça permet aussi d'y voir plus clair pour certains. Alors, il y a une question, l'émotion de rejet s'est libérée. Est-ce que ma relation de couple va devenir complètement stable à présent? Est-ce qu'il suffit juste de ça? En même temps, tu l'as déjà dit, hein, on va le refaire, et c'est l'objet aussi des ateliers. Je te laisse répondre avec tes mots. Donc ici, c'est une seule émotion. Par exemple, le mois de mars, donc j'ai un accent, je suis roumaine. Ce n'est pas une seule émotion qui va être libérée, qui va aider. Et comme Charlotte, tu l'as bien dit, je l'avais précisé. Donc, on a libéré une instance de rejet. Ça peut aider à voir des améliorations, mais ce n'est pas une seule émotion qui va tout changer. Sur cela, il y a des années, j'avais Une déjà pomme, une réponse. hein. Ouais. C'est une pomme, c'est ce que tu disais. Ouais. Moi, comment j'aime le présenter, ce sujet-là, sur la relation du couple, hein, quand j'ai des personnes, avec qui je travaille sur la relation du couple, je demande depuis combien de temps la relation du couple ne marche pas? Et du coup, donc ça va être peut-être des années, parce que c'est jamais des mois. Quand c'est que des mois, on fait rien, c'est pas intéressant. Du coup, je dis, et maintenant, tu penses un seul jour, ça suffit pour tout réparer? On peut pas. Il y a d'un côté le travail qu'on fait sur nous-mêmes, mais il y a de l'autre côté le temps qu'on doit donner à l'autre, parce que nous, on a décidé qu'on veut avoir une relation épanouie, mais l'autre, il sait pas. Encore, il voit pas encore le changement. Donc, j'ai eu un client
Il était marié depuis 12 ans et la relation n'était pas viable depuis plus de 5 ans. Et je lui dis, bon, ben, soit tu donnes 5 ans à ta relation de couple avant de passer à autre chose, soit tu peux partir même maintenant, refaire ta vie, mais il ne faut pas prétendre que bout d'un jour ou une semaine ou un mois, ta femme va changer ou accepter ou voir les changements que tu as fait. Donc, chaque émotion libérée va aider. Elle va nous faire du bien à nous, ce qu'on travaille sur nous-mêmes. Ce que je fais dans ces programmes, ça ne garantit pas que le couple va être bien. Moi, je travaille avec la personne et moi, ce que je dis, c'est que la personne va être bien. Donc, peu importe si le couple, il va dans la direction de l'harmonie ou vers la séparation, la personne, elle va être en harmonie avec ses émotions et du coup, elle va sentir, bah, en fait, j'étais dans une relation toxique et je me sens même libérée de partir de cette relation. Merci Dorella. Alors, une autre question de Sophie. Et si l'émotion de rejet est très ancienne? Je crois qu'elle est liée à ma mère et même antérieure, comme si elle venait d'une autre vie. Comment faire pour la bloquer à présent, peut-être pour la débloquer à présent, pour la libérer à présent? Oui, donc justement, on bloque rien du tout, on va libérer. On peut avoir des milliers. Moi, je pense qu'il y a un infini d'émotions. L'important, ce n'est pas de chercher émotion par émotion. Donc, je vais dire, donc c'est pas de lire tous les livres du monde. L'important, c'est de trouver l'émotion qui va faire la différence. Donc, on peut partir sur ce rejet. On parle beaucoup du rejet et on peut libérer plusieurs instances de rejet. Je confirme ces émotions qu'on sent. C'est pas à moi. Ça vient d'ailleurs. Elle nous touche beaucoup, elle nous influence beaucoup la vie, donc c'est vraiment important de les libérer, mais on les bloque jamais. Donc c'est pas de les bloquer en les bloquant, on les bloque à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. Donc nous, on fait ce travail, je libère cette émotion. Donc elle n'est plus bloquée à l'intérieur de mon corps. Et donc Sophie demande comment faire, et bien c'est justement ce que tu nous proposes hein, avec ces trois ateliers, c'est de pratiquer, pratiquer. Et tu as répondu en partie, je pense, à Marie qui dit, si je comprends bien, on va libérer les émotions qui peuvent être communes à tous, où il faut savoir toutes les émotions. Pareil, Joss demandait comment identifier nos émotions. Est-ce qu'on doit être au courant finalement de toutes ces émotions et les passer en revue, ou bien comment ça va se passer? Donc, pour identifier les émotions, moi, j'utilise le code émotionnel. Donc, c'est moi qui fais cette identification. Lors de cette conférence, j'ai présenté une technique pour pouvoir faire ce travail à la maison. Donc, ça, c'est pour vous. Mais lors de l'atelier, ça va être hyper pratique. Donc, on part sur 60, 70 émotions qu'on peut libérer lors d'un seul atelier de groupe. Donc, dans les ateliers de groupe, on est entre 100, 60 et 80 émotions qu'on va libérer. C'est moi qui identifie les émotions. Je vous dis les émotions qu'on va libérer et vous allez juste à faire ce petit geste de libération émotionnelle. Donc, vous vous connectez à l'émotion que moi je dis et vous vous dites, je libère l'émotion que je viens de citer. Et on libère émotion après émotion après émotion. Après, on fait des petites pauses pour reprendre le souffle, pour permettre au corps d'intégrer tout ce qu'on a fait. Et on passe aux suivantes. Donc, les émotions, c'est lors des ateliers. Donc, il y a cette énergie qui se crée. Il y a une, avant tout, il y a une intention
que moi je pose. Je vais dire objectif juste parce que intention, mon accent, ça le dit pas bien. Mais moi, j'ai une intention d'aider toute personne qui regarde l'atelier. Donc, lors de l'atelier, je vais poser mon intention pour le groupe entier pour trouver les émotions en profondeur. Et on peut les voir même comme les raisins. Donc, je vais dire, c'est comme si moi, je prends une émotion, mais en fait, c'est tout le raisin qui va tomber et pas une seule émotion. Du coup, je trouve l'émotion ou l'effet domino, d'accord? Je trouve l'émotion que si je touche cette émotion-là, il y a tout le reste qui tombe. C'est ce que je disais, il ne faut pas chercher page après page, lettre après lettre. On trouve ce qui est plus important et c'est pour ça que c'est bien de participer avec une personne qui utilise le code des émotions, qui va en profondeur, qui applique la technique qui est très simple d'ailleurs, c'est une structure très simple et on va libérer des émotions. On ne libère pas toutes les émotions, mais chaque émotion qui est libérée va engendrer des changements majeurs dans la vie. Merci pour ces réponses, Dorella. Je pense que chacun doit y voir plus clair. Mais en effet, c'est comme tu dis, on ne va pas libérer toutes les émotions, mais certaines qui ont peut-être un plus fort potentiel de faire partir les autres aussi, grains de raisin avec la grappe, comme tu nous disais là au niveau de l'image que tu as donnée. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette conférence sur justement les émotions et se libérer du passé. Et nous allons nous retrouver pour ces trois ateliers, donc le 15, le 23 et le 29 mars, ensemble pour justement pratiquer, libérer sous différentes formes ces émotions. Marie dit merci, c'est vrai que l'on peut avoir des émotions que l'on n'a pas identifiées, ça paraît simple en effet. Et en effet, ça paraît simple, mais déjà là, ce que tu nous as proposé ce soir avec cet exercice. Alors déjà le pendule au niveau du corps, vous allez voir, ça va vous aider pour les émotions, mais pas que. ça peut aider à plein d'autres choses. Donc c'est vraiment s'il y avait une des choses à avoir dans notre petit sac de notre vie quotidienne, c'est bien ça. C'est comment questionner notre corps, notre subconscient. Donc merci Dorella de nous l'avoir partagé ce soir. Et puis, cette technique-là de la carte magnétique, c'était excellent. Donc, merci à toi pour ces partages. Merci aussi à vous pour votre participation et pour vos questions et vos retours. Joyce dit merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Et merci à vous. Et Dorella, pour conclure cette conférence, je te propose le mot de la fin avant de se dire au revoir. Merci. Merci beaucoup Charlotte, j'espère que cette conférence vous a plu, ça vous a apporté de la valeur. N'oubliez jamais d'utiliser ce test musculaire, le pendule, comme tu le dis, le pendule intérieur. On peut tester beaucoup de choses, il n'y a pas réponse à tout ça, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est important de le savoir. Mais ça peut nous aider à avoir des réponses du subconscient, à libérer des émotions, à libérer des croyances, à changer des croyances. Donc, utilisez cette technique et venez lors des trois ateliers pour voir comment la vie peut changer lorsqu'on travaille sur ces relations du passé, que c'est vraiment le cœur de toute notre vie. On a le droit à l'abondance infinie, on a le droit au potentiel infini que nous on a, et ça va être un des pas que vous pouvez prendre pour vous-même. Merci beaucoup. Merci Dorella, merci à tous. On a les remerciements aussi de Sophie, Le Bonnois, Joyce et d'autres. Merci à vous deux, merci beaucoup. Merci pour cette libération et pour cette conférence. Eh bien, on se retrouve bientôt sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et en attendant, eh bien, belle soirée, bonne continuation à vous tous et à bientôt. On vous embrasse.